Cette fois est la bonne. Écoutez, le maire Labeaume dit qu'il a une entente sur le tramway. Le premier ministre qui vient et le confirme sur son compte Twitter. Tenons pour acquis, là, qu'il n'y aura plus de revirement dans ce dossier, Olivier. Le tramway, bon, rappelons-le, là, le tracé retenu, c'est d'est en ouest, pratiquement sur la totalité de la ville, là. C'est ça. Ce tracé qu'on dévoilait à ce bulletin la semaine dernière, Bruno, aura finalement permis d'en arriver à une entente. Alors, entre le secteur est d'Estimauville et à l'ouest, le secteur Legendre, près du IKEA. Mais attention, d'ici quelques semaines, le gouvernement Legault va aussi annoncer un ambitieux programme de voies réservées. Et quand on va tout compter, quand on va totaliser toutes les factures, il y en aura pour 4 milliards de dollars. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Régis Labeaume avait le pas léger en matinée. Oui, c'est de bonne humeur, moi. L'instant d'avant, le premier ministre avouait vouloir régler une fois pour toutes le dossier du tramway. Donc, je suis optimiste. Ça pourrait se régler aujourd'hui, non? Je l'espère. Une heure et demie plus tard, le dénouement des discussions n'a surpris personne. Le premier ministre et moi, nous nous sommes entendus. J'ai sa parole, j'ai la parole du premier ministre et le premier ministre a la parole du maire de Québec. Sur Twitter, François Legault écrit « Bonne rencontre avec le maire Labeaume. Je salue son ouverture pour réviser le projet de tramway de Québec comme nous le demandions. Au final, le tramway circulera d'est en ouest entre les pôles d'Estimauville et Legendre. Le tronçon nord du parcours vers Charlebourg est finalement abandonné, mais la CAQ proposera un ambitieux plan de voies réservées pour bonifier la desserte d'autobus en périphérie. Les investissements pourraient friser les 4 milliards de dollars. On va attendre que tout ça soit réglé, écrit et voté pour pouvoir vous donner tous les détails. Ça a été toute une saga, cette histoire de tramway. L'opposition officielle se réjouit de cette entente, mais accuse le caucus de la CAQ à Québec d'avoir tout tenté pour faire dérailler le projet. Au bout du compte, c'est la mobilisation populaire qui a fait la différence, selon Marois Risky. Les gens de Québec se sont levés, les gens d'affaires aussi se sont levés, et c'est sûr que ça pesait sur la balance pour s'assurer que le premier ministre sorte enfin sur ce dossier et fasse preuve de leadership. Je pense que c'est une très, 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 très belle nouvelle pour Québec. La Corporation des parcs industriels ne cache pas sa satisfaction. Ça va être un méchant beau moteur pour la relance économique. Je l'ai dit à deux, trois occasions. S'il y a quand même des milliards autour de ce projet-là, direct et indirect. Moi, j'ai pas l'impression que le réseau structurant il va s'arrêter là. Pour Québec solidaire, il faut déjà penser à des phases ultérieures pour le tramway. Le gouvernement fédéral promet d'investir 16 milliards afin de financer de nouveaux projets de transport collectif au pays. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec. Oui, on est très heureux de la colonne vertébrale. On pense que c'est ça que ça prenait. Il y avait deux parcours solides dans l'Est, puis il y en a un des deux qui a été choisi, puis c'est partie remise pour Charlebourg. Globalement, le fait qu'on puisse lancer rapidement la colonne vertébrale, qui est l'élément central et majeur d'une refonte de l'offre de transport en commun à Québec et de toute la mobilité durable aussi par ailleurs, c'est une excellente nouvelle. Pour moi, c'est un échec sur toute la ligne pour le maire et un triomphe pour Démocratie Québec. Dans le tracé proposé, on retrouve la proposition originale de Démocratie Québec. C'est 65 % du tracé dont on parle, 20 % pour le nouveau tracé vers d'Estimauville pour le gouvernement du Québec. Et le maire obtient son garage.